Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce premier épisode du projet bio-virtuel qui se nomme Darlight, Darleague ou Darlight comme vous voulez. Donc on va parler précisément de jeux qui se passent dans la lumière et dans la nuit. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 1000 amps. Je sais pas si ça se dit 1000 amps ou amps, je le dis selon l'accent. Pour moi on dira 1000 ampères. Non, je rigole. Donc voilà, donc l'interface de départ quand vous lancez le jeu, c'est ça. Donc je pense qu'il faut que appuyer pour éteindre. Donc j'avais déjà une sauvegarde du jeu. Donc voilà, donc vous jouez ce petit petit tout petit personnage qui ressemble à une ampoule. Mais avant, je vais vous montrer la map du jeu. Donc voilà, donc là je suis, je crois que je suis sur la petite trace blanche qui est tout en bas. Quoique non, je dois être. Donc tout ce que vous voyez en fait là, tout le tracé que vous voyez. Oui non, je suis dans la zone en bas, si. Zone éclairée, c'est la zone où je suis en ce moment. Toutes les autres zones, c'est celles que j'ai déjà allumées. Donc vous voyez, celles que je n'ai pas encore explorées ou pas terminées, parce on peut passer. Mais comment dire, on peut pas vraiment les allumer parce qu'en fait, je vais vous montrer. On va repartir. Je sais pas si j'ai en trouvé une. Vous voyez, il faut détecter donc ces petits carrés blancs. Donc en fait chaque fois que vous, voilà, chaque fois que vous chopez un carré blanc, vous avez la pile qui est indiquée en haut qui s'allume. Donc là vous voyez les petits, c'est pas des ennemis mais c'est des genres de trucs qui en fait arrêtent les lumières et qui vous embêtent un peu pendant le jeu. Hop. Donc il faut aller le plus rapidement possible si vous voulez à la suite. Des fois ils mongolisent un peu, heureusement on va dire. Vous voyez, hop là. Et là, je peux plus sauter vu qu'il l'a éteint. Hop. Je vais essayer de le brain vite fait. Ah, là, il va m'avoir avant. Ah, dommage. Donc voilà, c'est. Il y a plein de petits gameplay tout le long. Ah. Là, vous voyez, je peux pas passer. Hop. En fait, il faut les faire mongoliser, je pense, comme on dit. Allez. Faut aller plus vite qu'eux, je pense. Voilà. Apparemment, hop. Ah mince, j'ai sauté au mauvais endroit. Au mauvais moment, hop. Voilà, je suis trop long. Je pense qu'il faut le taper plusieurs fois. Bah, ils sont là. Donc là, je crois qu'en fait, voilà, il faut activer les petits carrés qui apparaissent chaque fois que vous frottez contre eux. Vous voyez, là, il a. Ouais, là, vous voyez, je peux plus sauter. Hop. Trop proche. Ouais, tu vas pas me troll. En fait, il est en train de me troller, j'ai l'impression. Ouais, il me troll. En fait, je crois qu'il se déplace pendant que. Ouais, voyez, il se déplace pendant que je suis. Pendant que c'est éteint. En fait, il s'allume. Là, en fait, il doit faire comme ça, il doit grimper. L'autre, il doit continuer à tourner autour. Ouais, voyez, hop. C'est bien ce que je pensais. Là, je vais essayer de passer au bon endroit sans tomber parce que j'ai pas envie de recommencer. Vous voyez, ah, malheureusement là, on est où? Je pense pas être bloqué mais on sait jamais. Oh, mais de toute façon dans ce jeu on peut pas se bloquer parce que faut juste comprendre en fait comment s'acheminent les trucs.
que là je peux pas. Je vais tenter de faire. Je vais attendre un peu, donc là on a compris le système. Ah, là non, en fait ils sont tous dans le coin. Donc là en fait ils doivent être en train de bouger. Mince, raté. Il est dans le coin. Donc voilà, le jeu est basé sur ça. Après, il y a aussi des systèmes de téléportation par la lumière, des choses comme ça. Donc, téléportation dans un cadre. Donc, comme je vous ai montré là, je me fais aussi troller par les carrés. Oula, il a bien eu le temps de se. Voilà. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai le temps de sauter. Là, je vais m'amuser à les brailler. Ah, bah non, c'est eux. C'est eux qui m'ont eu avant. Oula. Là, je pense que j'ai le temps de m'amuser à les avoir. Non. Apparemment pas. Parce qu'en fait, là, vous voyez, plus la pile est haute, plus vous pouvez sauter au. Ah, là, ils m'ont eu. Donc là, vous voyez, je suis en train de comprendre comment on joue. Là, ils ont essayé d'atteindre celle que je voulais avoir. Je voudrais y arriver. Bon, hein. Je pense que j'ai une chance de pouvoir aller là-haut sans qu'ils arrivent à éteindre. Hop. Ils m'ont brain très fort. Vous voyez, c'est quand même hard ce. Bon, il y a des niveaux moins hard, des passages moins hard. Il y a des passages très complexes. Et pour vous en sortir, il faut comprendre la chose. Vous voyez là, hop. Vous voyez là, j'étais bon. Ah! J'ai fait n'importe quoi. Il faudrait que j'arrive à monter, non? Tant pis, bon, bah, je pense que vous allez voir que ce niveau, mais bon. Voilà. Je pense que. Ah, non, on va passer à la suite. Oui, hop. Vous voyez, il y a plein de niveaux, plein de trucs. Là, vous voyez, c'est un effet de repoussoir. Hop. Vous voyez, là, hop, il faut passer par-dessus. Et donc on a, j'allais dire, on acquiert des aptitudes au fur et à mesure. Quand je dis des aptitudes, c'est pas genre on arrive dans une salle et hop, on l'a donné. C'est le gameplay qui fait en sorte de vous le procurer. Hop. Alors, vous voyez, je suis apparemment bloqué. Donc là, je reviens dans la zone de tout à l'heure. Donc là, vous savez, on sait où il faut aller. Donc là, je vais essayer de les brain sur les deux trucs. Et non, c'est eux qui m'ont eu avant. Donc je reviens dans cette salle, malheureusement. Hop. Il est à côté, s'il est à côté. Alors là, il a voulu essayer de remonter sur le suivant. Et je vais tenter de les avoir. Ou pas. Ou peut-être. Donc si vous n'êtes pas friand de ce genre de jeu, vous risquez de rager. Si vous avez, par contre, si vous aimez. Par contre, je connais pas ce bloc, tiens. Donc là, vous voyez, si en cliquant, je sais que je peux me téléporter, mais bien sûr, pour se téléporter, il faut pouvoir utiliser. Non. Il faut avoir comment dire une barre d'énergie pour pouvoir l'utiliser. Est-ce que je peux là? Je vais tenter d'allumer celui-là. Allez vilain, fais pas chier, comme on dit. Hop. Donc voilà.
Donc bon, je suis des... Hop, désolé, c'est un peu pas simple, je suis tombé pas sur le bon niveau. Mais au moins je vous ai montré hein, quand même une petite partie du jeu. Donc pardonnez-moi, hop. Encore la voix un peu prise. Donc voilà, je vous ai montré une petite partie, une toute petite partie du jeu. Malgré qu'il ait déjà été montré plusieurs fois, ce jeu. Quoique je trouve qu'il n'a pas été indiqué parce que je le trouve pour un puzzle game je trouve très très intéressant surtout au niveau des comme je vous dis de tous les niveaux qu'il y a et surtout je vous le remonte de la carte parce que c'est pas une petite carte hein, c'est pas pour pouvoir le faire à 100% je pense que il faut y aller quoi pour faire tout ce, pour faire tous ces niveaux surtout quoi y regarder tout j'ai fait juste cette partie en haut et quelques petites parties à droite à gauche donc voilà. Donc j'ai fait que 14%, ça veut tout dire. Donc voilà. Donc c'est par contre la fin de ce projet bio virtuel. Donc ce premier épisode, je vous donne rendez-vous pour le prochain. Allez, salut à tous.